cette invitation où j'ai une carte blanche pour revisiter la collection du Frac Auvergne. Je suis parti d'une peinture de Denis Laget de 1987 et en la quoi qui m'a vraiment touché. Et en fait, je l'ai utilisée comme filtre pour développer le projet au Frac Auvergne. Et elle m'a donné deux thèmes qui est la citation dans les œuvres et une certaine position de l'artiste. Donc la position de l'artiste qui sera comme spectateur de la réalité et donc qui est toujours dans un léger décalage avec la scène qu'il décrit, et d'où le titre qui est assez ambivalent, ambigu même sur la révolte et l'ennui. Donc on pourrait penser à une révolte esthétique et à un ennui dû au fait d'être jamais inclus véritablement dans la scène qui se joue au présent. J'ai pas du tout une vision d'historien d'art. Il y a beaucoup d'artistes que je connaissais pas. Et donc c'est plutôt quelque chose d'affectif et des liens entre les différentes œuvres qui sont ouais, pour moi plus émotionnelles ou d'associations libres ou où j'essaye de suivre un fil que j'arrive personnellement assez mal à définir. Donc c'est plus une sorte de... C'est pour ça que le vers de René Char me plaisait autant, ces chemins invisibles, c'est aussi ce qui m'a guidé pour sélectionner les œuvres et les mettre ensemble. Comme je suivais ces chemins invisibles et mal définis, je me suis dit qu'en incorporant des œuvres emblématiques qui peut-être peuvent thématiser fortement ce que j'essayais de faire, ça pourrait donner des sortes de points de clarté dans l'exposition. Et donc par exemple là avec le radeau, elle condense un peu toutes les œuvres qu'on voit dans cette salle et elle rééclaire les différentes œuvres présentées. Je pense que mon reste, ce qui reste pour moi dans mon dessin, c'est le souvenir de la peinture. En fait, c'est le souvenir qui reste, une certaine idée du souvenir. Et en fait, c'est même pas vraiment le motif, c'est plus la matérialité de la peinture que l'image elle-même. C'est Sardanapale, bon, c'est une œuvre que ça fait longtemps que je la regarde régulièrement. Et elle condense vraiment cette idée à la fois de la posture de l'artiste où Sardanapale est présenté regardant son royaume se détruire d'un air ennuyé, d'un air complètement détaché. Et à la fois cette sorte de révolte, de violence contre la réalité. Et donc je trouve qu'elle fait vraiment un pendant, elle est en miroir par rapport au crâne de Denis Laget. Et elle joue évidemment avec le film de Cyprien Gaillard où on a quatre scènes. Et ces quatre scènes sont une sorte, quoi, tout le film fait une sorte de constat sur notre. Ouais, sur le temps humain, disons, sur la civilisation. Et ces bâtiments apparaissent comme des sortes de... Alors qu'ils sont encore habités, dans la toute dernière scène, comme des ruines, comme des sortes de vestiges d'une sorte d'utopie architecturale. Et il y a une profonde... on a l'impression qu'on vient après une catastrophe dans ce film. Une sorte de post-cataclysme.